Bonjour tout le monde. Alors, est-ce qu'on est bien mieux ensemble maintenant qu'on en parle depuis 4 semaines? Et est-ce que cette semaine, vous avez réussi à relever le défi en famille d'être artisan de paix? Ouais, pas si simple, hein. Parce que souhaiter avoir la paix, c'est une chose, mais choisir d'être en paix, c'en est une autre. D'ailleurs, à ce sujet, je vous propose de retrouver une famille. Interdiction de juger, hein, ok? Le nom qui va après ce jour. Papa, je peux avoir une glace? Zoé, tu viens de goûter, là. Mais si, je veux une glace. Écoute, Zoé, c'est quoi cette attitude-là? Tu peux arrêter de te plaindre en permanence, comme ça? Salut tout le monde! Aurel, t'es sérieux, là? Tu m'avais dit que tu réparerais la vitre. Oh. Mais oui, mais en rentrant, déjà, j'ai... Bref, enfin bon, franchement, tu peux me trouver toutes les excuses que tu veux, sauf que tu m'avais dit que ça allait être fait aujourd'hui, mais c'est pas fait. Ouais, merci. Ça y est, c'est jamais assez bien, sérieusement. Oh, Seigneur, j'en ai marre. Franchement, j'ai l'impression que je peux compter sur personne, je dois tout gérer au quotidien. J'en ai marre, je fais tout, de toute façon dans cette maison, j'en ai marre. Mais ils sont pas en train de se plaindre, eux aussi. Aïe, se plaindre, râler, ça se passe de commentaires, hein. Sympa la famille, hein. Parce qu'alors, un, personne n'apporte la paix à l'autre, deux, elle est où la réconciliation dans tout ça? Et trois, ça râle, ça se plaint, ça veut avoir la paix, mais ça ne cherche pas à être en paix. Bon. Et si cette même famille faisait le choix de chercher à être en paix? Ça donnerait quoi? J'ai vu à la montagne qui va après chez moi. T'as pas par une glace? Zoé, t'as déjà goûté? Qu'est-ce que tu as goûté? Dis-moi. Des gâteaux de langue de chat avec un yaourt et de l'eau et du pain. Bah tu vois, c'était largement suffisant. Et en plus, il faut que tu te gardes une petite place parce que ce soir, tu vas encore manger et t'auras plus faim sinon. D'accord. Bon allez, on continue de lire. J'ai donc une leçon qui va après chez nous. Salut tout le monde! Aurel, t'es sérieux là? Tu m'avais dit que tu réparerais la vitre. Mais oui, tu sais, en rentrant, j'ai dû... Bah ouais, mais enfin... Tu as raison, j'aurais dû réparer la vitre, je sais, mais faut vraiment que tu m'écoutes parce qu'il y a une explication, je vais te le dire, viens, on prend le temps. Bon, Seigneur, la vitre n'est pas faite, mais je te dis merci quand même parce que j'ai un mari qui fait quand même pas mal de choses et une petite fille... Je me dis qu'on a quand même pas mal de choses où on peut te remercier, alors merci. Ah, l'ambiance était un peu plus paisible, non? Voilà ce qui se passe quand on choisit d'être en paix. Vous avez remarqué qu'il y a une question de choix. Chaque membre de cette famille fait le choix, à un moment donné, d'arrêter de se plaindre, de râler, de s'apitoyer sur son sort. Et ça, ça change tout. D'un coup, ça crée une opportunité pour se réconcilier, ne pas se disputer. Alors qu'on pourrait regarder à tout ce qui ne va pas, on fait le choix de regarder à ce qui va bien et de dire merci pour ça. Évidemment, c'est pas toujours facile. Et pour passer de ça à ça, forcément, en fait, il y a besoin d'une chose, une transformation. Et cette transformation, il n'y a que Dieu qui peut la produire en nous. Mais avant, il y a une question de choix. Si tu fais le choix de dire « Ok, je vais sur ce chemin », eh ben oui, Dieu va venir aussi te transformer et t'aider dans ce choix que tu auras fait d'être en paix. On se fait un petit défi famille? Ok, alors cette semaine, on te propose la boîte des comptes à rendre. Alors, je t'explique, c'est très simple. Des comptes à rendre à qui déjà? En famille, mais aussi à Dieu. Je t'explique. En famille, vous allez prendre
des papiers de deux couleurs différentes. Moi, j'ai pris bleu et jaune, et pour la boîte, tu trouves boîte à chaussures, boîte à mouchoirs, ce que tu veux. Quand quelqu'un de la famille râle, ou se plaint, ou s'apitoie sur son sort, eh bien, il y a une couleur, on aura défini, par exemple la bleue, où on va se dire, bon, ben, ok, là, je le mets dans la boîte des comptes à rendre, j'ai râlé. À d'autres moments, au contraire, t'auras réussi à faire le choix d'être en paix, d'encourager quelqu'un, de remercier pour ce que tu as. Dans ces cas-là, l'autre couleur, jaune, tu la mets dans la boîte. Et puis la semaine va passer, on va mettre un petit peu tout ça dans la boîte, et à la fin de la semaine, en famille, vous ouvrirez la boîte des comptes à rendre et vous rendrez compte de votre semaine. Est-ce qu'il y a plus de bleu, de jaune? Est-ce qu'on s'est beaucoup plaint? Ou est-ce qu'à l'inverse, on a réussi à être en paix? C'est le défi famille. Et évidemment, on vous propose de garder cette boîte de semaine en semaine pour réussir à ce que la couleur de l'encouragement, la couleur de la reconnaissance, de l'opportunité prennent de plus en plus de place dans cette boîte. Bon courage et à la semaine prochaine !